sud-est de la RDC, le soleil se lève sur Sakania depuis plusieurs heures. En environ 10 ans, le gouvernement congolais s'est investi à donner une nouvelle image à celle qui fut une cité, l'ouvrant également sur l'Afrique australe. Devenue une commune, Sakania continue d'agglomérer les hommes et entreprises, nourrissant ainsi de nouvelles opportunités professionnelles. Mais derrière ces apparences, la vie municipale reste sous une forte dépendance zambienne. Sur le plan alimentaire, farine, poisson, surtout le frais, le vivre frais. Je pourrais dire que nous dépendons de la Zambie, et une partie aussi de la boisson. Quoi, il y a la brasserie qui nous vend la boisson, mais également il y a aussi la boisson de la Zambie. Parmi les coupables, la ruée sur le secteur minier. Surtout que travailler dans une entreprise minière est un facteur de changement rapide du quotidien familial. Jeter dans la houe pour enfiler sa combinaison, c'est le choix de beaucoup. Au-delà de la dépendance alimentaire, l'ombre de la Zambie plane sur plusieurs secteurs de la vie à Sakania. Sur le plan de la culture, la théorie de la diffusion des normes culturelles y trouve ses applications. Ndola, une ville zambienne s'affichant comme étant le centre, semble coloniser toutes les agglomérations environnantes. Mais cette dépendance, ressemblant parfois à une donnée brute, quelques initiatives pour la casser commencent à prendre corps localement. Chez certains habitants de Sakania, l'idée c'est limiter les fréquentations des villes zambiennes. Une politique qui a tout de même des prix à payer, la Zambie ayant suffisamment la nourriture et les loisirs.